Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Bûcherons en... pas dans folie, des Bûcherons 2.0, pardon. Je suis en compagnie de Dessus. Bonjour tout le monde. De Cyril. Ah oui, quoi hein. Et de Cameron. Oui, oui, bonjour. Donc on est toujours dans notre construction de Siri, pour le coup. Donc voilà, on s'est juste aperçu que dans le camion, on faisait du 6 mètres, voire peut-être même du 7 mètres par morceau, pas certain. Donc on va les redébiter, nous, en 5 mètres, pour le coup. Comme ça, on va être tranquille. Hop. Voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être surtout de l'aménagement. Faudrait continuer à ramasser les troncs qui sont par terre, les gars. Hop, oui. Moi je vais pousser le tracteur. Hop là, c'est pas dans ce sens-là. Ou au pire, sinon, faudrait ramener la Tiger Cat au magasin. Aussi. Tiens, le tracteur, il va avoir pile sa place là. Nickel. Hop là. Bon courage, oh, vas-y. Il va aller la porter. On a qui l'emmène à la main, non? Ah non, on a un plateau. On a un plateau magasin, ouais. Ouais. Alors, on a un porte-char, donc autant l'utiliser. Vas-y, coupe. Ah, tu choupes? Ok. Ouais. Tac, moi je vais faire un peu de place. Déposé. Je vais faire un peu de place. On se mettra peut-être un hangar aussi pour les non-engins. Pour le coup, pour l'instant, je vais les poser là. Hop là. Hop. Ah, il veut pas venir! Donc c'est sûr qu'on va se faire du fric. J'ai raligné aussi un peu les tapis pour que ce soit un peu plus droit, pour que ce soit un peu plus carré. Ouais, on les a un peu posés à l'arrache, ouais. Ouais, bah la dernière fois, ouais, ils étaient vraiment posés à l'arrache, ouais. Hop, j'ai vu qu'il y avait un morceau là. Tac. Et c'est pareil, on va essayer de trier aussi nos morceaux. On va vraiment garder que les beaux morceaux pour emmener à la scierie. Donc ça va nous faire un peu plus de boulot, en fait. Mais au final... Au final, voilà, quoi. Hop. Tac. Donc on verra, on se prendra peut-être un deuxième broyeur. Enfin, je sais pas, on fera peut-être un système de tapis, parce qu'il me tarne avec ça, là. Hein? Quoi? Pardon? Hein? Quoi? Qui? Qu'est-ce? Quoi? C'est qui que j'ai laissé avec la marche arrière? De quoi? Dans caisse? Quelle étagère? Ou courge? Ici. Ou verge? Un truc du genre. Hein. Bon, je vais la pousser elle aussi. Alors, pour l'instant, on va la garder, la Tiger. Allez, on va la garder pour l'instant. T'as envie de faire des bouts, pas de... Au pire. Pour l'instant, si on veut de l'argent, on n'a qu'à couper du bois et faire des quepelles. Tu prends? Allez, c'est parti. Attends, il va falloir faire pareil sur tout ce qui est chargé sur le Komatsu. Je me souviens. Bah, puisqu'il est par terre aussi. Aussi. Donc voilà. Donc vous voyez, on va vraiment garder que les morceaux qui sont en haut, par exemple. Tous les morceaux qui sont en bas, qui sont mal ébranchés ou qui sont un peu tordus. Hop, dans le broyeur. Tous les petits morceaux, en fait, on va vraiment garder que les beaux morceaux. On va vraiment garder que les beaux morceaux pour le camion. Donc je pense que ça pourrait être sympathique. Hop, du coup, on va se prendre un grand hangar. Alors, est-ce que je prends un hangar fermé ou est-ce que je prends un hangar ouvert? Ça va fermé, pas. Le fermé, il va être plus bas. Hop, j'ai quoi d'autre comme hangar? Ça, c'est plutôt hangar pour stocker les vésicules. Hop, on va plutôt se mettre ça comme hangar. Oui, il y a un Z à Zangar. Oui, il y a un Z à Zangar. Zangar. C'est comme Zambon, c'est comme Zarbre. Les oiseaux. Est-ce vent? Hein? Non. Bah oui. Le S-vent. Ah bon? Avec un Z à S-vent. Je cautionne pas ça. Ah bah. Hop. Tac. Donc ça va faire un grand hangar. Hop, on va le reculer un petit peu par rapport au chemin. On peut vraiment les mettre sur le crâne, hein? Par ton casque. Non mais c'est pas possible, hein? Ah, il y a des soucis.
Ah non, c'était pas une souche, c'était... C'était des rondelles encore qui restent. Putain, il reste des rondelles, les gars. Bah ramène, ramène. En même temps, avec tout ce que Toffy l'a débité... Je peux qu'il y ait des rondelles. Hop. Tac. Là, comme on ça, on va faire un hangar de stockage. De stockage et triage de ce côté. Ah. Hop. Donc c'est pour ça, au pire, la Tiger, elle peut rester sous le sous l'hangar. Hein. Ok, voilà. Okay. Ah, je veux te dire, t'as vu, avec déjà tout ce que vous avez revendu, là... Le hangar, on l'a même pas payé, encore. Mais, tu vas te coucher, toi? Tac, alors, puis... Ah, bon. Hop, on va rentrer un peu en mode Kratef. Hop, on va aplanir un petit peu le terrain par là. Pour tous ceux que tu m'as mis dans le crâne, ça prendra. C'est pas X, c'est C. Hop. Je pense que là, il faut finir déjà de récupérer tout, enfin de vendre tout ce qu'on a. Coupé, oui, oui, tout ce qu'on a, ouais. Et on verra par la suite pour faire l'histoire du tri. Parce que comme ça, ça nous fera moins d'objets déjà mobiles. Oui, non, mais oui. Mais attends, ouais, il y a. Tiens, vas-y, Cyril, il y a plein de rondelles ici. Il y a des rondelles. Il y a plein de rondelles. Il y a des rondelles. Il y a du saucisson. Alors. Faut que je... T'as faim ? Sinon je vais aller chercher le mien, arrête tes conneries. Ouais, celui-là on va le mettre aussi. Ouais. Et... Ah c'est tac. Quoi ça ? Merde, j'ai pas vu apparaître celui-là. Hop là. Alors, ah, non, c'est pas table, c'est X. Tu veux charger le camion, Cyril, ou comment ça se passe ? Ah non, vas-y, charge, charge, charge. Hop. Ok, Je vais te mettre les sangles. Yes. Ok. Alors. Piouf. Moi je suis occupé avec le zangar. Hein. Tac. Avec la Tiger 4, elle va taper dans le toit. Hein, hein non. Tu peux, Cyril, défaire les sangles. Ah, c'est là où j'ai un trou. Il y a un trou là. Là, il y a des troncs qui sont pas bons là. Ça, c'est trop court. Tout ce qui tombe, c'est dans le broyeur. Hein. De la merde. En plus, c'est un pas beau. Bah, Cyril, il va y avoir une explosion dans 30 secondes. Ah, mais faut toujours qu'il y en ait un qui vienne se mettre là où je fais du mapping. Voilà, merci Cyril. Et j'ai pas envie de me prendre un tronc sur la tronche. Ah. Ouais, ben. Je sais pas qui c'était, mais c'était. Ah, tes souhaits. Celui que c'était. Ah bah, alors tes souhaits. Par contre, c'est vraiment... Bon, ça doit pas être si mal que ça, là. Ouais, ça a bien lissé. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais revendre les barrières, là, parce que ça m'énerve, celle-là. Hop. Garage. Ça va être où ? Elles vont être où ? Elles vont être où, les barrières, là ? Tac. Celle-là, on vend. Ok. Ça, on vend. Ok. C'est fini, oui. Ah, putain. Celle-là, on vend. Ok. Je vais vendre les autres aussi, comme ça. Je vais refaire tout au propre. Hop. Cyril. Ok. Oui. Avance le Komatsu, s'il te plaît. Je vais prendre le tas, là, qui est juste après, parce que... Si t'arrives à tout dropper, en fait, ça m'arrange. En fait, je pense qu'il faudrait un chargeur pour... Bah déjà, le Komatsu, je pense qu'on va le virer, parce que malheureusement, j'ai du mal à passer avec la pince. Ouais, bah ouais, je te dis, c'est pour ça, pour le coup, le JD est beaucoup plus... est beaucoup plus pratique. Donc au pire, on revend le Komatsu et on reprend un deuxième JD, hein. S'il faut. Oui. Je pense que ce sera plus agréable.
Hein? Ça regroupe tout, hein, Cam. Ouais. Alors, on les a pas recoupés, hein. Pas grave. Tac. 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 Et le dernier, je vais pas le mettre. Attendez, je vais juste mettre un plot comme ça. Hop. Là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça nous laisse le passage à pied là. Ça nous laisse le passage là. Bon alors, tu veux que je revende la Tiger Cat alors? Allez, on revend la Tiger Cat. Hop, on va revendre les deux pinces qu'il y a avec, puis au pire s'il faut. Y a vraiment un souci au niveau du bois. Parce que... Ça glisse, dès qu'il veut descendre, ça glisse quoi. Hein? La glisse pince, ou ça reste collé? T'as vu la pince comment elle s'est ouverte? Non, j'ai pas... Bah non, j'ai pas fait gaffe. Non. Allez, hop. Ouais. Eh, Cyril. Ouais. Plan B. Si. Monte ta pince. Non, non, plan B, tu vas voir. J'aime pas ton plan B. On va régler le problème autrement. Il y a trop d'objets mobiles sur la map. Bah, faudrait peut-être faire déjà récupérer ce que tu es en train de récupérer. On a dit qu'on gardait les jolis troncs. Ah, mais ils sont pas recoupés ceux-là. Ah. Le problème, c'est que ça glisse de la pince en fait. Alors que bon, je suis bien dedans quoi. Bon, alors, du coup, ce qu'il y a dans le. Dans le Komatsu, on peut y enlever alors. Ah ouais, ouais. Je pense qu'en fait, on a vraiment du mal au niveau des objets. Bah, en multi, je pense, ouais. Ils doivent mal gérer le. Pourtant, tu me diras, tu sais, on a pas de problème sur les 1000 vaches. On a pas de problème avec les ballots. Ouais, pourtant, on en a une chier de ballots. Ouais, mais c'est les ballots, quoi. Ouais, mais le bois, c'est la même chose. Aïe! Le problème, je pense que c'est les modes en fait, les modes de pinces. Si tu regardes bien, t'as les pinces en fait en elles-mêmes. Elles ont pas de butoir en fait. De butoir. Quand tu serres en fait, t'as pas le. Elle prend pas en considération la. Ah, le la bois! De l'objet ouais. Qu'elle est en train de serrer. Ouais, par contre, là, on est en train de faire un carnage au niveau du pognon. Hein. Ouais, c'est parce qu'il y a la Tiger Cat qui a été vendue, c'est pour ça. Ah oui, j'ai vendu la Tiger Cat. Ah bon. J'allais dire merde là, ouf. Non, ça empêche pas qu'on fait quand même un carnage. Mais t'es fini, Emeline? Ah bah. Alors moi ce que je te proposerais même c'est de l'autre côté carrément on se fait un broyeur, on se met un autre broyeur de l'autre côté. Qui vide soit dans la benne directement ou soit on essaie de faire un système de tapis qui traverse la route mais Oui. Alors un système de tapis qui traverse la route sans que ça gêne la route. Sans que ça gêne la route bien sûr, ah bah oui. Dans farming, je gère. Dans farming, tu vas faire. Ah! T'as un problème. Non, non. T'inquiète, non, on verra ça. Pas tout de suite. Comme ça, de l'autre côté, on se fait un centre de tri. Et de broyage. Et de broyage. Bon, bah, tu sais, comme ça, on. À la rigueur, t'as les porteurs qui arrivent. Ils balancent tout dans le. Tout dans des racks. Et on trie direct. Tu les concentré avec l'autre porteur? Non. Ah. Ah, c'est bon. J'ai cru. Oups là.
Il a fallu la prendre sur la tronche, celle-là. Alors, on n'a pas notre coupeur d'arbre aujourd'hui, hein. Enfin, en même temps, tu me diras avec tout ce qu'il a coupé la dernière fois. Je pense qu'il peut prendre 2-3 jours de congé, il n'y a pas de problème. Hein. On a dû l'arrêter, parce que sinon, mon dieu, il n'y a plus de forêt. Hop là. Parce que par la suite, ce qu'il faut penser, c'est que là, on aura toujours notre Siri, entre guillemets. Ouais. Là, pour l'instant, on coupe les arbres à côté. Ouais, mais après, on va devoir aller les chercher. Mais après, derrière, va falloir qu'on les ramène par là. Oui. Tac. Alors, du coup, on a dit qu'on le vendait aussi, le Comat. Ah, c'est pas pratique avec le portique, en fait. Ouais. Bah, le John Deere est plus pratique avec le portique. Bah, même déjà avec la Tiger 4, il était plus pratique. Le John Deere ? Ouais. Ouais, non, bah. Allez, je vais aller le vendre. Ça va m'occuper 5 minutes. Ça va nous rapporter un peu de pognon. Ouais, on a besoin. Putain. Oh, bah là, tu peux acheter une deuxième abatteuse, hein. Pas de soucis, hein. Bah, deuxième porteur. Un deuxième porteur, ouais, plutôt. Deuxième porteur, oh, une deuxième abatteuse aussi, hein. Oh oui. Ah, qu'est-ce que quoi ? Hein, où ça ? C'est la guerre ? Quoi ? Non, c'est mon téléphone qui vibre. C'est la guerre, mon général ! Je suis en train de me dire merde ! Oh bah, les parcelles là, je pense qu'on pourrait être quoi ? On a de quoi acheter toute la map là. Non. Voilà mon général. La machine elle en veut plus. Changez les lames. Pognon il manque un plus. Truc de malade. Bon c'est où qu'on vend ce bordel là? C'est où qu'on vend le brin là? Bon, je dirais que ça doit être par là je pense, il y a le point de vente. On va mettre le truc par là, on va bien voir. C'est peut-être le plateau que c'est je vais vendre, mais... Me dis pas que t'es en train de mettre ce qu'il y a dans le... Oh, le cochon. Ah, bah si, c'est... Raté. Hop là, faut que je pousse le plateau, là. J'avais une chance sur deux. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Dis-moi pourquoi ça marche pas? Pas doué. Je peux pas pousser le plateau. Bon bah tant pis, je vais être obligé de le vendre comme ouais. Ça le machin. Ah attends, tu me diras, on va tricher un petit peu. Ah ouais, 165 000. Ah bah oui hein. On l'avait dit hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah t'occupes. Mais non. Si. C'est là qui fait de la merde. Allez. Mais non, mais t'as bourré la machine. Mais non, il est pas bourré. Regarde. Vas-y, avance. Avance, saloperie. Hop là. Bon, on va le réparer quand même avant de le vendre. Mais non, mais tu l'as trop poussé. On va sortir. Mais en une vidéo, on va se faire pratiquement 1 million d'euros, t'es. Oula, petit freeze. On va essayer de ressortir celui-là. Ah, bah, pousse-la. Ah oui. Ah bah c'est malin. Ah bah c'est du propre. J'arrive pile au moment où il casse tout. C'était pas prévu. Il a foutu la merde, chef. C'est bon. Un bout de bois qui vient de voler. Tu t'en sors, tu? Tiens. Oui. Oui. Hein, quoi? Qui me réveille? J'ai pas l'air. Hein. Alors, du coup, on a dit qu'on se mettait des racks. Hop. Je crois qu'ils sont là, les racks. Ils sont là, les racks. Où qui sont les racks? Merde, je les avais par là, les racks. Hop. Et ah puis, je vais poser une question à nos chers viewers. Est-ce que vous voulez qu'on décore encore un peu plus? Je veux dire vraiment qu'on pousse la décoration entre guillemets de la Syrie vraiment à. Bah elles sont pas. Non mais toi j'ai des palettes, on peut mettre vraiment plein de choses quoi.
Allez, au revoir. On peut utiliser la technique Toffy. Quelle est la technique Toffy? Technique Toffy, et tu prends un arbre, tu les branches pas et tu le coupes au-dessus du broyeur directement. Ouais, ouais, non. Non, il y a un minimum quand même, hein. Merde. Ah. Vu que. Voilà. Oh, je pète mal. Putain, je suis presque bien aligné, dis donc. Ah non, j'en ai un qui est un petit peu décalé. C'est pas méchant. Hop. Bien sûr, on va fermer. Hop. On va fermer avec un conteneur. Vas-y, colle-le-moi dans le crâne pendant que tu y es, toi. Et t'as fini de râler un peu, là. On dirait deux vieux... On dirait deux vieux cons, là. Bah, c'est pas vrai. Non. Pas vrai. Enfin, si. Oh, bah alors. Voilà. C'est du con et du con. Non, c'est du pont et du con. Non, c'est du con et du con. Non, du pont et du pont. Ah, comme ça, en plus, on peut recouper les troncs si on veut. Voilà, ouais, c'est bien. Parfait, parfait. Ah, Cam, il repart pour couper du bois. Non mais il y en a déjà pas mal de coupés qui a main du bois. Ça, ça me fait penser que j'en ai vu une il y a 15 jours de batteuse comme ça. Hop, non parce qu'après on peut faire un truc un peu dans ce style là, mettre un peu de déco. Hop, pouf pouf pouf. Tac, par exemple comme ça. Il y a encore des petits bouts ici. Info. Et des petites pointes. Et des bouts de saucisson. Arrête avec le saucisson. on peut mettre ça comme ça, là, par exemple. Paf. Ça sert strictement à rien ce que je vais faire, mais... Hop. Pas comme tout ce qu'on fait. Ah merde. Bah moi je dépense l'argent pendant que vous en gagnez. Mais j'arrive pas à suivre le rythme alors. Ah bon, je comprends pas pourquoi. Ah, on gagne trop, c'est ça. Ah, par contre là on a zéro revenu de récolte. C'est normal, c'est les petits bouts qui déconnent. Elle est où le dessouchure? À côté du broyeur. Elle a le dessouchure. Ah, à côté de la chaudière. Hop, on peut mettre quelques bidons aussi, si j'en ai, je crois, il me semble que j'en ai. Ouais, là, tac. J'aime bien parce que quand tu roules, t'as le dessoucheur qui tourne quand même. Oui, parce qu'il est baissé. Non, non, là, il est levé. Ah, oh, putain. Pardon. Excusez-moi. Il a fait. Ah, merde, non, on peut pas les... Ah, si. Ah, non. Non, j'ai rien dit. Si. Ah, non. Ah, si. Ah, non. Hop. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, vite fait? Ah, je vais dire un petit hangar pour les vésicules, mais... Je sais pas où je le mets du coup, le hangar pour les vésicules. Ah, puis j'ai une palette qui vole là, donc ça me plaît pas ça. Hop, garage. Ah, par contre, faut retrouver les palettes maintenant. Hop. Tac, oui. Ok. Hop là.
Donc là, éventuellement, là au bout, on peut se remettre un broyeur, éventuellement, avec un tapis pour aller de l'autre côté. Mais je sais pas si depuis là, le tapis, ça va être showtime quand même. Ça va être showtime. Faudra peut-être deux tapis pour la largeur. Cassez-vous les piafs. Hop, là, démarrer mode paysage. Alors moi, je me mets toujours, tac, comme ça. Ça permet de voir un peu le relief. Et voir qu'il y a encore des troncs d'arbres qui n'ont pas été dessouchés. Ouais, et puis ça me permet de, aussi de voir les souches. Ah. Alors, elles sont où les souches? Là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu crois que je te vois pas charger à la main ton truc? Charge pas à la main. Non. Il se barre en couille ce con. C'est pareil, on n'a pas chargé à la main. On a déchargé à la main. Oui. On a déchargé. On n'a pas chargé. Mais bien sûr. Maintenant les passes ne seraient pas buggés. Oh, regarde. Je voulais bien passer le tronc, non, regarde, voilà, toi. Ouais, nous sommes à casser les couilles, on est marre. Tac. En même temps, ouais, chargé dans la pente, c'est pas ouf. Hein. Ouais, bah carrément. Bah après, ce qu'on pourrait se faire, mais là, ça serait un peu plus complexe. J'adore les trucs complexes. Non, c'était couper les troncs carrément en grande longueur, mais du coup, faudrait les ébrancher, quoi. Mais les ébrancher sur toute la longueur, prendre le treuil, les ramener et les débiter à la main, quoi. Mais je pense que c'est peut-être ce qu'on fera, peut-être avec le camion. Tu sais, on débitera les grandes longueurs, chargé directement dans le camion, quand on sera plus loin. On ramène les grandes longueurs, on les pose dans un rack, et dans le rack, on les recoupe. Hein, ça peut être sympathique, ça. Dites-moi ce que vous en pensez de mon idée dans les commentaires, là, tout de suite. Quand on sera plus loin, comme ça on prend les grands troncs et on les redébite à la main, puisque pour l'instant on n'a pas de machine à débiter. Ah bah si, il y a la... Au pire on pourrait reprendre la... Comment ? La Tiger Cat, celle qui coupe. Avec, la, oui. la coupe à pied là ? Hein ? Avec le coupe... la plateforme à découper ? Non, elle n'existe pas la plateforme à découper. Mais tu sais, on a une Tiger Cat qui a le. Ah oui, celle qu'on avait au début. Celle, la toute première qu'on avait au début. Ah oui. Les brancheuses. Les brancheuses, voilà, ouais. Oui, enfin, c'est pas une ébrancheuse non plus. Faut vraiment comme ça, une ébrancheuse. Ouais, faudrait qu'on voit, tiens, ouais, pas con ça. Comme ça, on se fait une plateforme à l'extérieur. Qui est en train de me lâcher, moi. Ça y est. Ouais, bah moi le mien, il est pareil, il a bien commencé à lâcher aussi. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que... Et pourquoi Hop. Est-il aussi méchant? Bah, parce que... Je suis même pas à mon joystick et ça y est, le bro, il a décidé de faire n'importe quoi. Il s'est mis au taquet, Ouais, non, c'est chiant, ça. Oh, tu fais une combinaison de touches? Ah non, mais moi c'est même pas une combinaison de touches, hein. C'est ouais, juste non. Que c'est un axe qui est en train de dire.
Bah, au revoir. Moi, c'est avec les combinaisons de touches. Je veux dire, tu fais le mouvement. Et puis en plus, je suis à 20% de zone morte, mais c'est comme si j'avais rien, en fait. Comme si j'étais à zéro. À peine de je bouge, tout de suite, ça bouge. Ah, il y a encore une souche, là. Oui, oh, bah, 2 secondes, hein. Ah, c'était plutôt là qu'il fallait. Oh putain. Par contre, t'as l'herbe qui est un peu buggée là du coup. Où je suis. Arrête de tourner. Cassez sa tête à ce joystick. Hop. Tac. Mais Hop, on va lisser un peu le terrain. Heureusement que je suis rentré de l'argent. Mec, qui va faire sortir aussi vite. Comment ça? Avec le visage de terrain, oui, là. Ah bah là, ouais, avec le terrain, l'éditeur de terrain. Ah, c'est vrai que ça prend du pognon. Là. Ça le fait rire en plus. Bah non, 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 je vais pleurer. Bon, y'a pas de marche là, Cam. Non, ça va. T'as remonté un peu, mais... Bah après, en même temps, on n'est pas censé trop aller là-haut, maintenant. Oui, déraciné. Ah merde, par contre, il faut que je revoie mon rack et puis mon... Ah. Ça, par contre, c'est chiant que tu puisses pas... reprendre le truc que t'as posé, en fait. T'es obligé de le revendre pour le racheter, pour le reposer... Ouais. Ça, c'est un peu chiant, ça. Farming, si vous m'entendez. Bah, vous m'entendez. Bah, vous m'entendez. Voilà. Non, c'est vrai que ça serait cool de pouvoir avoir un mode, entre guillemets, où bah tu puisses reprendre ton truc et le déplacer, quoi. C'est vrai que pour le coup, ça coûte pas mal de pognon, quoi, de... Ah. Tac. B. Hop là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On en restera juste un hangar pour les véhicules. Éventuellement. Ouais, non, mon joystick est en train de me lâcher. Il part constamment sur l'axe de rotation à droite, je peux pas prendre à la pince. Ah, par contre, je viens de voir un arbre bugué là-haut. Il y a un arbre qui vole. Ça. Là, où je suis. Et où Il est. C'est pas. Oui, c'est parce que Tofu il a coupé. Regarde les bennes. Là, au-dessus de moi. Ah. Il y a un problème. Reviens! Disons que pour le dessouger celui-là, ça va être compliqué, c'est ça? Non, même pour aller le chercher en général, ça va être compliqué. Ah non, oui. Mais là, j'ai mes axes, ils font n'importe quoi, là. Ça m'arrange pas, tiens. Bah, puis moi, tu crois que ça m'arrange, mon joystick qui merde? Ah, il y a encore des souches, là.
Oui, bah allez, deux secondes, hein. Non, c'est pas mal. J'aime bien la tournure que ça prend. J'aurais peut-être l'occasion de refourguer mon joystick comme ça. Comment ça? M'acheter ce que je veux acheter. Tu veux acheter quoi? Des joysticks pour mettre sur mon siège. Hein? Mais à 500 euros les deux, ça fait cher. Ah, ça? Mais bon, c'est des vrais joysticks. Ah bah parce qu'il y a les, oh, y a les faux joysticks et il y a les vrais joysticks. Non, alors tu vois, les vrais joysticks, c'est ceux que tu utilises. Tout ça. Il y a du foutage de gueule dans l'air. Moi, je me permettrai pas. Ouais, c'est comme mon shifter de Scania, quoi. Avec une platine interface USB. Je sais pas si on peut mettre des copeaux dans des silos dans silage. Non. Non, hein, je crois dommage. Pas. Dommage. Tu voulais les stocker comme ça? Ouais, on aurait pu faire un stockage de copeaux, mais... Prenez sans farming, ça va les transformer en paille hachée. Ouais. J'ai peur que ça le transforme. Faudrait qu'on fasse l'essai, tiens, pour voir. Ah, on va se mettre un petit groupe... C'est un gros morceau celui-là. Je suis pas le devant, le derrière. Mais, du... mais... c'est toi là. Je fais rien. Je ne bouge même pas. Ah non, il a fait. Si, t'as bougé. Je crois que j'ai bougé le truc. Mais comment pour aller chercher la chouche là? La chouche quoi? Mais. Ah, mais lâche-moi. Attends, bouge pas, bouge pas, attends, bouge pas. Non. J'ai un dessoucheur. Ah merde, je peux pas te lever. Ah non. Non mais justement, faudrait qu'on prenne la même dessoucheuse mais sur... sur chargeur. Ou sur Telesco. Oui, ou sur Telesco, ou sur chargeur. Hein. Ah. Fait que tu peux vraiment lever ta lame ouais, comme ouais, tu veux quoi. Il y en a une ici aussi. Tirel ! Ouais, mais justement, c'est celle-là qui m'emmerde. Raté! T'en bouge pas! Ah, oui. Peut-être. C'est bon, hein? Non, fallait pas redescendre. Bah là, redescends, avance. Là, c'est bon, je bouge plus. Voilà! Ah, il a arraché tout le gravier et tout. Ouais, oh, hein. Oui, il a cassé les deux. Eh, c'est pas mal, j'ai laissé la rampe aussi pour monter là. Oui. Mais quel art il est en fait là? Ouais, Justin, là il est, ouais, il est 19h là, ça fait 38 minutes qu'on tourne. Bah nous, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on a déjà pas mal avancé sur notre série pour le coup. T'as rendu compte des problèmes. Hein. Ça prend forme. Des problèmes itinérants. Pourquoi tu veux parler avec Itinéris? Aïe. C'est pour autant qu'elle n'existe plus. Non, c'est vrai, c'est pas faux. Ah, mais vous avez carrément tout revendu du coup, alors, le bois. De quoi? Bah, tout est en 6 mètres, alors on dégage tout. Ouais, tout est en 6 mètres en fait. Tout ce qui est coupé là actuellement, c'est du 6 mètres. Sauf le tas ici, c'est du 5 mètres. Moi, je mets que les petits mètres. D'accord. Ok. Bon bah comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à aimer, liker, partager, commenter, tout ça, bien sûr, dans cette vidéo. Dans cette magnifique vidéo des bûcherons en folie, qui n'est pas la bûcheron en folie, c'est les bûcherons 2.0. Ça va aller. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Soir, il rend du boulot, tout voilà. Ça. Ouais, pour le coup, oui, on tourne. On a commencé, c'était 6h30. Voilà. Pour le coup, on arrive. On va peut-être arriver à tourner des vidéos en fin d'après-midi, du coup, pour le coup, quand on va pouvoir, quand on aura assez de monde. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit de quoi? On a plus d'argent. Comment ça, on a plus d'argent? Qu'est-ce qu'il a acheté? Rien. Qu'est-ce que t'as fait? Crème, j'ai rien fait. Je vais aller voir au magasin. 500 000 euros de prêt. Ah oui, les 500 000 euros. Bah oui, effectivement. Oui. Effectivement.
On avait 800k, t'en profiter. Oui, bah oui. Oui, non, c'est vrai, j'avais pas pensé qu'on avait. Non, bah, mais toi, tu penses à prendre du prêt, le prêt, mais pas le rembourser. Hein? Quoi? C'est quoi? Attends, j'ai... ça a coupé là, le Discord. Quoi? Rembourse quoi? Tu prends le prêt, mais tu le rembourses jamais. Ah, bah, non, mais parce que le prêt, normalement, c'est. Enfin, pour moi, c'est donné, quoi. Reprendre, c'est voler. Allez. Allez, les amis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. On va arrêter la crétinerie ici. Et on vous dit bye bye. Ciao! Salut! C'est chaud, boy! Comment j'arrête la vidéo, moi? Ah, ma souris!